Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, je suis très 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 contente de vous retrouver. Merci d'avoir cliqué, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, en cliquant sur le petit bouton rouge, s'abonner juste en dessous. Et n'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien comme d'habitude dans la vidéo, ou de toute manière il sera dans la barre d'infos, puisque c'est là-bas que se passe la plupart des choses. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous me demandez depuis plus d'un an. En fait, une vidéo que vous me demandez depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube à la fin de l'année 2018 et que je n'ai jamais osé faire. Jamais, jamais osé. Et aussi, je dois dire que je n'ai jamais pris le temps de faire. Et là, début d'année 2020, c'est le moment où jamais, nouvelle année, donc tri, rangement, on va faire tout ça ensemble. Cette vidéo rangement make-up, vous me la demandez depuis très longtemps, mais j'ai jamais osé parce que, je vais vous dire la vérité, j'avais un peu honte en fait. Moi, j'adore regarder des vidéos rangement make-up ou unboxing ou ce genre de choses d'autres youtubeuses, mais parce que voilà, ce sont des vraies youtubeuses, elles sont organisées, voilà, tout est bien rangé partout, il y a plein de trucs, alors que moi, vous allez voir, je suis juste une nana toute simple qui est passionnée de make-up, qui est passionnée de soins, donc j'ai pas vraiment de pièce à moi, j'ai pas de studio, j'ai pas de pièce dédiée, c'est ma chambre, c'est un petit coin de ma chambre. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup trop de choses, il y a vraiment trop de choses que j'ai achetées notamment pendant l'année 2019 que je n'utilise plus. Donc il est venu le temps de trier, de ranger, et j'avais vraiment envie de le faire avec vous, j'espère que vous serez pas déçus. Et ben on y va, on se lance, c'est parti, j'ai mis... Seuls les vrais le savent, mon t-shirt. Mon t-shirt de maison, je l'avais mis d'ailleurs quand j'avais fait mon vide dressing. C'est le t-shirt que je porte quand on est à la cool. Donc voilà, j'ai ma bouteille d'eau, je me suis mise pieds nus et je vous emmène avec moi. Avant de commencer le tri, on va faire un petit état des lieux avant. Comme je vais prendre l'appareil dans mes mains, je vais vous montrer simplement... mon petit coin, là où je me maquille le matin, ma coiffeuse, où sont rangées les choses pour l'instant, si on peut dire rangées. Et ensuite, on se mettra ensemble à trier. Allez, c'est parti, on commence. Donc, je vais pas vous montrer toute ma chambre, je veux garder un peu mon intimité. Mais voilà, ça, tout ça là, c'est mon petit coin make-up. C'est là où je me maquille, c'est là où je filme mes vidéos, où je mets voilà tous mes soins, mon maquillage, et là tout est en bordel, tout est mélangé. Alors si vous demandez ce que sont les pailles là sur le mur, en fait c'est ma petite fille de 7 ans qui a décidé de me faire une petite déco voilà pour mon petit coin, et j'ai décidé de la garder. Donc c'est sur cette coiffeuse que je me maquille et que je filme mes vidéos aussi. Comme vous voyez, elle est petite, hein, c'est une petite coiffeuse. Moi j'ai pas une coiffeuse de 10 mètres de long. C'est pour ça que du coup j'empiète sur toute la place, partout, derrière, dans le coin. Donc on a un petit miroir bien évidemment, où on voit ma petite tenue du dimanche à la cool. Et là en fait, sur ma coiffeuse, c'est le make-up que j'utilise au quotidien, quoi. C'est celui dont je me sers le plus. Tout ce qui est là, voilà, c'est à portée de main parce que je m'en sers tous les matins. Là, il y a mon petit miroir grossissant. Donc il y a de tout, hein. Il y a le teint, les yeux, les lèvres. Dans ma coiffeuse, j'ai un premier tiroir. Ici, on a tout ce qui est anti-cerne, concealer. Là, ce sont des highlighters. Tout ça, c'est pareil, ce sont des pinceaux à double embout. Anti-cerne aussi, on va trier tout ça. Tout ça, c'est que des produits teints, donc il y en a jusqu'au fond du tiroir, on va tout trier. C'est soit des fonds de teint, soit des fluides de teint, enfin il y a que du teint là aussi. Alors là-dedans, on verra après. Alors vous voyez, il y a vraiment de tout, hein. Là il y a des lotions, il y a du maquillage, il y a des palettes, il y a un peu de tout, il faut vraiment tout ranger. Là c'est quasiment que des rouges à lèvres, donc on va trier des rouges à lèvres ou des blushs liquides aussi. Tout ça ici, c'est que des rouges à lèvres aussi. On va trier tous les petits tiroirs, il y a des bases à paupières, il y a plein de choses. Là, sur ce petit meuble ici, j'ai deux bacs de rangement que j'avais achetés à la Foire Fouille. Je les trouve super sympas, ces petits bacs. Du coup, j'en ai plein, j'en ai dans la salle de bain aussi. Et voilà, faut que je trie parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi là-dedans. Tout est mélangé et à l'intérieur du meuble, c'est pareil. Il y a des rouges à lèvres, il y a des produits, il y a des pinceaux. Là aussi, il y a de tout. Mais de toute façon, je vais tout sortir. Alors, dans cette petite trousse, c'est que du make-up bio. Donc fard à paupières, eyeliner, mascara, c'est que du bio, de la marque So Bio.
Et l'année dernière, j'avais acheté ce petit meuble là que vous voyez. Alors il est tout petit, hein. Il contient 5 tiroirs, mais je l'avais acheté à la Foire Fouille, je crois aussi. Et alors, comme je suis très studieuse et très organisée, j'avais étiqueté chaque tiroir, make-up, soins du corps, soins du visage, soins capillaires, nettoyants, démaquillants. Mais là, il y a trop de choses à l'intérieur et tout est mélangé. Donc là, effectivement, c'est tout ce qui est make-up, mais on va tout sortir et tout trier. Là, on a tout ce qui est soins du corps. Là, c'est le tiroir, je crois, le plus rempli, c'est les soins du visage. Là, c'est les soins capillaires, mais la plupart des soins capillaires ne sont pas à leur place. Et là, on a tout ce qui est démaquillant, nettoyant, etc. Alors, à côté de ce petit meuble, on a une table comme ça. J'ai pris une table en bois qui était sur la terrasse parce que j'avais plus de place. Et alors là, tout est arrangé parce qu'il y a des pots à pinceaux, il y a des pinceaux. Là, on a toutes mes poudres. Enfin, pas toutes mes poudres, une bonne partie de mes poudres, bronzantes, highlighter, blush, etc. Mais je crois qu'on a des poudres là aussi, pas mal de poudres, bronzeurs. Là, j'ai toutes ces boîtes dans lesquelles il y a des choses qu'il faut que je range et que je trie. Donc, il y a cette boîte Chanel, une boîte Estée Lauder. Il y a ces pinceaux de chez Nocibé que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai ce petit bouquin que j'adore. Tous les jours, j'essaie de lire une petite page de ce livre qui contient des citations, enfin, qui mettent toujours le sourire. Et là, j'ai de nouveau donc une boîte de rangement que j'avais achetée à la Foire Fouille. À l'intérieur, il y a plein de trousses. Les trousses Zoeva, les trousses Morphe, il y a plein de choses. Là, il y a ma palette Urban Decay. Enfin, il faut tout trier. Là, je mets la plupart de mes palettes donc dans ce petit, je sais pas comment on peut dire, ce petit sorte de petit meuble que j'avais acheté à Maison du Monde. J'aime beaucoup. Donc, on va tout sortir, on va tout trier. Puisque là, il n'y a plus de place, il y a encore des palettes dehors. Bon, et après, ce sont mes affaires de coiffure, un petit cadre de ma fille. Enfin, voilà. Voilà le petit coin où je me maquille, où j'ai toutes mes affaires. Et je ne sais même pas par quoi commencer. Bon, normalement, au niveau des soins, tout ce que j'utilise, c'est dans ma salle de bain et sur ma table de nuit. Donc là-dessus, ça devrait aller. Je pense que je vais commencer par la coiffeuse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vider un bac, comme ça. Un petit bac de rangement. Comme ça, tout ce dont je ne me sers plus, qui est soit à donner, soit, soit je sais pas, on verra peut-être à la fin de la vidéo. Je vais le mettre là-dedans. Voilà, j'ai mon petit bac vide, c'est parti. Donc sur la coiffeuse à gauche, d'abord j'ai ce petit bac en plastique. En fait j'en ai plein des comme ça, on les trouve dans tous les magasins comme Action, la Foire Fouille. Pour ranger le make-up, c'est super pratique. Du coup, ici j'en ai un à gauche avec toutes mes crèmes herborian. Donc là, les 5 crèmes herborian, je les garde parce que je les utilise toutes. La bébé crème de chez MAC, je vais la garder aussi. Là, j'ai mes deux crayons bourgeois color band pour les yeux que j'utilise super souvent. Highlighter, il y a le Tantour d'Huda Beauty et ma poudre Huda Beauty. Ça, je le laisse là parce que je l'utilise tous les jours. Ça, c'est mon petit nettoyant à pinceau. Miroir, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La poudre By Terry, je la garde bien sûr. Le blush MAC aussi parce que je l'utilise quasiment tous les jours. Là-dedans, j'ai quoi? Ah, j'ai un deuxième highlighter BK. Un deuxième highlighter BK en teinte C-Pop, Champagne Pop. Vous savez que c'est mon highlighter préféré de tous les temps. Bon, soit je me le garde en réserve, soit je vais le mettre à donner. Après, c'est que du bazar. Ça, c'est le Cheek to Cheek de Charlotte Tilbury. Bien évidemment, je m'en sers. La palette Blush Boss, je m'en sers tous les jours. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une petite trousse à pinceau que j'avais eue. Je m'en sers plus. Donc, la petite trousse à pinceau, j'en ai plus besoin. Tout ce qui est Charlotte Tilbury, BK, MAC, tout ça, je vais le ranger. Ici, c'est les produits teints que j'utilise le plus. Donc, il y a l'eau de teint de chez Chanel. Les deux fonds de teint que je mets le plus, c'est l'essentiel de Guerlain et le Skin Illusion de Clarins. Donc, ceux-là, je les garde. Ça, c'est la base Clarins que je mets en ce moment. Je l'aime beaucoup. Teint, pore et matité. Ça, c'est un petit pinceau Chanel. Je m'en sers pour mettre l'anti-cerne. Celui-là, je vais le garder. Et la Strop Crème de chez MAC, elle est super. Tout ça, je m'en sers. Du coup, là, on a deux petits tiroirs. Dans le premier, faut que je nettoie, hein, parce que ce matin, je me suis maquillée. Du coup, c'est tout le bazar. Dans le premier tiroir, en fait, j'ai la plupart de mes crayons, c'est-à-dire tous les crayons NYX, crayons muqueuses. J'ai mes crayons noirs, mes crayons marrons. Que ce soit les gros crayons ou les petits crayons, tout cela, je les utilise. Donc, cela, je vais les laisser là. Et dans le deuxième tiroir, j'ai les crayons plus colorés. Bon, les trois crayons colorés Woomake Paris, je vais les garder. Je vais tenter de les utiliser avec le conseil d'une abonnée. Crayon noir Adopt, celui-là, je vais le garder. Ça, c'est un crayon noir Nocibé à double embout. Il est pas mal, je vais le garder. Par contre, le crayon à sourcils marron foncé de chez Sephora, en teinte numéro 6, il est neuf. Donc ça, je vais le mettre à donner. Ça, c'est une petite trousse Clarins que j'avais eue. Je m'en sers pas, je vais la mettre à donner aussi.
Et ici, on a tous les produits que j'utilise au quotidien, donc les mascaras que j'utilise, tout ce qui est highlighter liquide, les bases, les produits teints, les crayons à lèvres, tout ça, c'est vraiment ce que j'utilise. Donc tout ça, je garde. Après, là, on a un petit panier. J'ai ma brume fixe de MAC, un petit soin pour les yeux. J'ai la base Chanel. Là, c'est vraiment voilà, ce que j'utilise tous les jours. Le fond de teint Wet n Wild, celui-là, je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. Cette base The Professional, je suis pas fan, mais je peux pas la donner parce qu'elle est entamée. Du coup, sur ma coiffeuse, j'ai ces deux pots à pinceaux. C'est ceux que j'utilise le plus. Par contre, là, on a un tiroir avec un highlighter Master Chrome de Maybelline. Ça, j'utilise. Et ça, c'est un gommage à lèvres de chez MAC qui est déjà entamé, même si je l'utilise pas souvent. Bon, pince à épiler. Ça, c'est le ressort que j'avais acheté sur les conseils de Marion Caméléon. Je vais le garder. Par contre, là, j'ai deux soins bio. Sérum éclat anti-âge de la marque Sobio à l'huile d'argan. Ça, je pense que je vais le donner parce qu'il est neuf, il n'est pas entamé et j'en ai déjà un en réserve. C'est ce produit-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'en ai un ouvert et j'aime beaucoup. Donc, je le mets à donner. Et le deuxième, par contre, c'est la marque Isiance que j'aime beaucoup également, qui est bio. Il est neuf aussi. Mais par contre celui-là je ne l'ai jamais essayé, donc je vais le garder, je vais le tester, je vous dirai. Bon, là on a une houppette mais je crois qu'elle a fait son temps. Ça c'est tous les pinceaux que j'utilise au quotidien, que j'ai utilisé ce matin, du coup ils sont à laver. Ça c'est la palette Charlotte Tilbury, la Pillow Talk que j'utilise en ce moment beaucoup, c'est pour ça qu'elle est là. Et la poudre Milk que j'adore, donc tout ça on va le laisser là et on va passer au reste. Bon, je vais trier tout ce coin-là. Ce que je vais faire c'est que je vais tout enlever et tout mettre par terre pour trier. Bon, je vais commencer d'abord par ce bac de rouge à lèvres. Tout ce qui est à donner, je vais le mettre dans le petit bac. Ce que je garde, je vais le mettre là. Ça, c'est Guerlain, c'est entamé, je vais garder. Ça, c'est le rouge à lèvres Tarte que Lorelei m'avait envoyé dans le swap, donc je vais le garder. Ça aussi, c'est Lorelei qui me l'avait envoyé, c'est le démaquillant Sananas, démaquillant à lèvres. Bon, je peux pas le donner parce qu'il est entamé. Ça, c'est mon premier rouge à lèvres. C'est la gamme Accord Parfait de chez L'Oréal. Et celui-là, c'est le 231. Bien sûr que je le mets plus, hein. Il n'y en a plus. Et puis, il est périmé depuis le temps. Mais c'est mon tout premier rouge à lèvres. Du coup, je le garde. Il a une valeur sentimentale pour moi. Bon, ça, c'est deux rouges à lèvres que j'avais acheté chez La Foire Fouille, des magasins comme ça. Donc, je ne vais pas vous les donner. Ça, c'est un liquide mat rouge-rouge de chez Sephora. Il est tout neuf et je m'en sers pas. C'est vrai que je ne mets pas de rouge comme ça, donc ça je vais le mettre à donner. Ensuite on a toute la gamme des Made for Hold, je mets Maybelline, donc ceux-là je les adore, bien évidemment je les garde, sauf qu'il y en a un que j'ai en double et qui est neuf, c'est le 379, le Fuchsia For Me, donc celui-là je vais le donner. Ça c'est deux rouges à lèvres Wet n Wild, ils sont neufs, je les ai jamais utilisés. Je vais garder celui-ci qui est une sorte de nude, un petit peu foncé, un petit peu noisette, et par contre je vais me séparer de celui-là qui est un nude plus clair. C'est pas la peine que je les garde tous. Ensuite on a, ça c'est une sorte de rouge à lèvres NYX liquide que Lorelei m'avait envoyé dans le swap, donc je vais garder. Le 932 de chez Je mets Maybelline qui a été bouffé par ma fille, donc ça c'est poubelle. Ça c'est un rouge à lèvres MAC de la collection Viva Glam, celui-là c'est le matte Viva Glam numéro 8, il est tout neuf, je l'ai encore jamais utilisé, donc ça je le garde, je vais le tester. Ça c'est un petit baume à lèvres Inglot, j'adore. Et là, on a tous les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais en garder 3 et je vais en donner un, rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Voilà, le bac est vide. Bac suivant. Et voilà. Alors, là, on a une lime à ongles, très intéressant. Là, on a le blush que m'avait envoyé Lorelei, le NYX, mais qui s'était cassé pendant le voyage. Donc ça, je le garde, bien sûr. Faut que je trouve un moyen de le rabibocher. Alors là, dans ce premier tiroir, on a que des rouges à lèvres Sephora, celui-là je l'ai utilisé, je garde, c'est un joli violet. Par contre, le marron comme ça, très foncé, il est neuf et je ne l'ai jamais utilisé, donc ce n'est pas le genre de couleur que je mets, je vais le donner. Le nude très clair aussi, comme ça je ne mets pas, donc je donne et je ne l'ai jamais utilisé. Et je vais garder ces deux-là que j'ai utilisés. Ces deux rouges à lèvres, je mets Maybelline, je les garde. Là, on a la petite robe noire de Guerlain, je la garde aussi. Là, on a un liquide mat de chez Adopt, mais il est trop clair pour moi. Je l'avais eu en cadeau, donc ça, je vais le donner. Bon, ça, c'est des rouges à lèvres La Foire Fouille. On va pas les... Je ne vais pas vous les donner. Sephora, mangé par ma fille, poubelle. Celui-là, Inglot, je vais le garder. Les deux de chez Je mets Maybelline aussi. Les rouges à lèvres Sananas et Becca, je garde, bien évidemment.
Celui-là, c'est le liquide mat rouge Nars que Lorelei m'avait envoyé. Je garde. Celui-là, c'est un Lancôme. Je l'adore. Je vais le garder, celui-là. Par contre, j'ai ce rouge à lèvres Wet n Wild qui est un liquide mat. Il est super joli. Je l'ai en double. Donc celui-là, je vais le donner. C'est un bordeaux, un rosé un petit peu bordeaux. Au milieu des rouges à lèvres, une huile de soin Palmer's qui n'a rien à faire là. Ça, c'est le rouge Velvet édition de Bourjois. Il est super. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je le garde aussi. Ces trois-là, Yves Rocher, Huda Beauty, Sephora, je garde. Les deux Yves Saint Laurent, je ne peux pas vous les donner parce qu'ils sont entamés. Le Chacha Teint de Benefit, je ne l'ai jamais utilisé. Il sert de blush et de rouge à lèvres, ça je le mets à donner. Le Dent de Lion liquide, je vais le garder par contre. Et ça, c'est le Roller Lashes de chez Benefit. Mascara que je garde. Tout est mélangé. Huda Beauty, je vais garder celui-là. Mascara à sourcils, ça va ailleurs. Rouge à lèvres Adopt. L'Oréal Paris, celui-là je l'adore. Donc tout ça, je garde. Donc ça, c'est tous les rouges à lèvres que je garde. Ça fait quand même pas mal du tout. Et j'ai mis dans la petite boîte tous ceux que je vais donner. Vous voyez comme c'est pratique ces boîtes-là pour ranger le make-up. Je trouve ça top. Ensuite, je prends cette énorme boîte. En fait, il y en a deux. Je les ai mis l'une sur l'autre. Je trouve ça hyper pratique. Donc là, dans le premier tiroir, correcteur de teint, ça, je vais garder. Ça, c'est pour se masser le visage. Ça, c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Je la déteste. Ça, c'est la base à paupières Glitter Glue de Too Faced. Je vais donner. Mascara à sourcils Yves Rocher, il est tout neuf. Je vais le donner aussi. Donc ça, ça va dans la boîte. Là, j'ai une petite poudre à sourcils Inglot. Je vais la garder. Là, j'ai trois mascaras en réserve. Ceux-là, je vais les garder. Alors ensuite, j'ai sorti le meuble. Ça, c'est deux petits roll-on pour les yeux, un derma roller et une lumière pulsée. Ça, je vais les garder. Là, j'ai ma petite boîte Île de la Réunion. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Des poudres. On a la Glam Bronze de L'Oréal que j'adore. Un highlighter MAC, ça, je garde. Là, j'ai un petit highlighter Winky Luxe. Et celui-là, je l'ai en double, donc je vais le mettre à donner. Highlighter Too Faced, je vais le garder juste pour le packaging. Là, j'ai la poudre Master Fix de Je mets Maybelline, elle est géniale. Poudre MAC compact et blush MAC. Après, je vais les trier par catégorie. Et alors, si on prend le premier tiroir, donc make-up, qu'est-ce qu'on a d'abord? Échantillons, ça, ce sont des échantillons Chanel. Chanel crème pour les mains, ça, je vais la donner. Parfum Chanel, ça, je vais donner. Le volume Révolution de chez Chanel, moi, je l'ai déjà. Ça, c'est l'échantillon, donc je vais le donner. Bah, avec la petite pochette Chanel, tiens. Ça, je viens d'acheter, je garde. Ça aussi, c'est à tester. Healthy Mix, la poudre et le concealer, je vais les tester. Crayon Clarins, je garde. Base Clarins, bien évidemment, je garde. Chanel m'avait envoyé comme cadeau une petite trousse trop mimi. Je vais la garder, mais je vais jeter la boîte par contre. Ça, c'est un truc que j'avais trouvé en magasin. Faut que je le teste. Ça s'appelle le Une Seconde de Bourjois. A priori, c'est un fard à paupières qui se met comme ça sur la paupière. Ça peut être marrant. Tout ça, je vais donner. C'est neuf et je m'en suis jamais servi. C'est des rouges à lèvres liquide mat. Ça, c'est un rouge à lèvres que m'a envoyé Lorelei. Donc, je garde, même si c'est pas trop ma couleur marron. Je vais le garder quand même. Ça, c'est des houppettes. Je vais garder. Fossil NYX, je vais les donner, j'en mets pas. Ça, c'est des petits goupillons, des petites éponges démaquillantes. Ah, on a encore des échantillons Chanel. Crème pour les mains, je vais donner aussi. L'huile démaquillante, par contre, je vais la garder. Ça, c'est un anti-cerne Nars, je ne l'ai jamais utilisé. C'est la teinte Vanilla, je l'ai acheté il y a 6 mois environ, mais maintenant la teinte est beaucoup trop claire pour moi, donc ça, je vais le donner. La base Backstage, c'est à tester aussi. Garantia, je garde. Fond de teint compact Adopt, je vais tester quand même. La base visage de chez MAC, je garde. Par contre, j'en ai une deuxième. La Natural Radiance base lumière, j'en ai deux. Celle-là, je vais la donner. Base Nocibé, je garde. Accord Parfait Later, je garde. Ça, c'est tous mes Fit Me. Je mets Maybelline en réserve. Hein. On voit que c'est mon concealer préféré. Échantillon de parfum Dior, je vais donner. Je n'en mets pas. Ça, c'est une base Modélite. Bon, je vais tester ça. Crayon à lèvres Yves Rocher, tout ça je garde. Ça c'est des crayons yeux Sephora, Sephora, Sephora. Anti-cerne Wet n Wild, j'en ai déjà un d'ouvert. Et moi la texture me convient pas trop, donc ça je vais le donner. Healthy Mix de Bourjois, je vais garder. Mascara crayons yeux Bourjois, ça je garde. Bad Gal Bang de chez Benefit, bien évidemment je garde. CC Crème, CC Doux, l'Herborian. Bon, toutes les professionnelles de Benefit, je vais les garder. Ça, c'est quoi? Un rouge à lèvres liquide mat rouge
Il est tout neuf, il y a encore le papier autour, je vais le donner. La Bello Rouge à lèvres Yves Rocher, je vais garder. Le Bandy Soye de Too Faced, celui-là il est en teinte porcelaine, c'est trop clair pour moi, il est tout neuf, donc je vais le donner. Ça ce sont des houppettes, j'en ai plein, donc ça je vais donner. Crayons yeux Yves Rocher, il est tout neuf. De toute façon, tout ce qui est dans ce meuble, c'est tout neuf, c'est jamais testé, donc ça je vais donner aussi. La Bello, je garde. Pinceau, je garde. Touche lumière Sephora, ça c'est, je l'avais eu en cadeau, mais c'est trop clair pour moi, donc je donne. Et ben, on arrive au bout du tiroir. Hein. Tout ça, c'est des petites pochettes. J'en ai plus besoin. Ensuite, soin du visage. Tout ça, c'est des accessoires. Tout ça, c'est des nouveautés que je me suis acheté. Donc ça, je vais les garder parce que je vais les utiliser. Là, il y a toujours mes backups hein, d'aloe vera, mes gommages, mes lotions. Produits Garantia à tester. Ça, c'est les petites éponges démaquillantes. J'ai du savon d'Alep. Des crèmes pour les mains, des déodorants. J'ai même de la crème pour les pieds. Ah non, je m'étais trompée. Ça, c'était soin du corps. Maintenant, on arrive au soin du visage. Alors, je vais garder tout ce que je me suis acheté récemment. Et par contre, je pense que je vais donner les produits que je n'ai pas utilisés, qui sont tout neufs. Estée Lauder, ça, je garde. Vichy. Toutes les eaux florales, tout ce qui est Clarins. Je garde The Origins aussi. Bon, dans les soins du visage, la plupart des choses, je vais les garder parce que c'est des marques que j'aime beaucoup. Origins, Dr. Jart, Bioderma, Clarins, Garantia. Par contre, ça, je ne l'ai jamais utilisé. C'est un masque à l'huile d'argan de la marque Galénic qui se présente comme ça. Donc ça, je vais le donner. Ça, je vais donner également CC Crème Soin Anti-Tache Lift Plus Diadermine parce que c'est surtout un soin pour les personnes qui ont des rougeurs, ce genre de choses. Moi, c'est pas mon type de peau, donc ça, je donne. Bon, après, tous les autres soins, je m'en servirai de façon à terme. Le dernier tiroir en bas, c'est que des solutions micellaires ou alors des toniques. Pixie, The Ordinary, là on a Garnier, mais tout ça je vais garder parce que ça me fera de la réserve. Tout ça c'est toutes mes petites lingettes démaquillantes. Du coup je re-range tout, par contre les deux Fit Me, parce que j'en ai 4, mais il y en a deux qui sont en teinte numéro 20, c'est trop clair pour moi et ils sont tout neufs, donc ça je vais les donner aussi. Et on va pouvoir remettre tout le make-up que je garde à sa place. Bon, la professionnelle, je vais vous donner la petite parce que j'en ai déjà au moins deux grandes en réserve. Donc celle-là, je vais la mettre à donner. Pour le moment, ça fait déjà pas mal. On va s'attaquer, je pense, aux palettes. J'ai rangé tout le make-up à sa place. C'est bon. Et finalement, ce rouge à lèvres-là d'Anastasia Beverly Hills, je vais vous le mettre aussi à donner. Comme ça, ça fera deux que je garde et deux que je donne. On va s'attaquer donc aux palettes de fard à paupières, c'est-à-dire à cet énorme meuble qui est là, c'est parti. Alors ça c'est quoi? Palette Tropique. Je l'avais testée en vidéo cette palette, mais je peux pas la donner parce que du coup je l'ai déjà essayée, donc ça je vais garder. Palette Charlotte Tilbury, bien évidemment je garde. Pretty Rich de Too Faced, je garde. Ça c'est une palette que j'avais achetée sur Amazon. En fait c'est un dupe d'une palette Huda Beauty. Et je ne l'ai jamais utilisée, elle est toute neuve. Donc ça, je vais la donner. La Tamix Revolution de Make Up Revolution, elle est comme ça. Elle est toute neuve aussi, je ne l'ai jamais utilisée. Ça, je vais donner aussi. Palette de chez MAC, celle-ci, je vais garder. La Alyssa Edwards. Si elle n'était pas utilisée, si elle était neuve, je vous l'aurais donnée. Mais là, je l'ai déjà utilisée, donc je ne peux pas vous la donner. Même si je ne l'utilise pas beaucoup. Ça, c'est la MAC, la It Designer. Celle-là, je vais la garder par contre, parce que j'aime beaucoup les couleurs. La palette Sananas, bien évidemment que je la garde. Nude Spectrum de Zoeva, c'est ma palette teint préférée, je vais la garder. Ça, c'est une palette de contouring Yves Saint Laurent, mais c'est entamé, donc je ne peux pas vous le donner. La Just Peachy Matte de Too Faced, je vais la garder. La New Nude d'Huda Beauty, ouais, aussi, elle est belle. Ah, les deux palettes de chez MAC, celle-ci, je vais les garder. La Basic Beach, elle est comme ça, avec des tons très froids, mais j'aime beaucoup. Et j'ai la Risk Taker, que j'ai jamais utilisée encore. Regardez comme elle est jolie, il faut que je vous fasse un tuto avec. Ma palette Inglot, ben, je vais la garder, hein, bien évidemment. La Sofix de Make Up Revolution. Je sais pas ce que je vais en faire, hein. Je l'aime pas du tout, mais je peux pas vous la donner, elle est entamée. Imagic, pareil, c'est entamé. Ça, c'est une palette de nude de chez Je Mets Maybelline, c'est la 24 carats nude et elle est toute neuve. Ouais, je vais pas l'ouvrir d'ailleurs et j'en ai plein des palettes de nude, donc celle-là, je vais la donner. Cette petite palette de NYX, c'est une palette de nude, mais je l'ai déjà, je l'ai en double, je l'avais eu en cadeau, donc je vais vous la donner aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Palette Sleek Contouring.
Bon, ça, je vais garder, mais c'est tout neuf. Ouais, je vais garder. Palette Clarins, je garde. Marc Jacobs, je garde. Natasha Denona, je garde. Qu'est-ce qu'on a? La Naked Heat, je la garde, bien sûr. Chocolate Bar aussi. Chocolate Gold, ça, c'est Lorelei qui me l'avait envoyé dans le swap. Je la garde. La Soft Glam d'ABH, c'est ma préférée d'ABH, donc bien sûr, je vais la garder. Et qu'est-ce que j'ai là? Je mets Maybelline, Burgundy Bar, The Nude. Ces deux-là, je vais les garder par contre. Je vais vous donner celle-ci parce qu'elle n'est pas utilisée, elle est toute neuve. Mais ces deux-là, je les ai entamées. Bon, toutes les Dior Backstage, je vais les garder. La NYX aussi. Ah, par contre, celle-là, je ne l'ai jamais utilisée. C'est une palette bourgeois. Elle est trop mimi, regardez, elle est trop choupinette. Ah, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a le... Il y a le petit scotch sur le côté, mais elle est toute neuve. Regardez, je vous montre les teintes derrière. Elles sont comme ça. Donc celle-là, je vais vous la donner aussi. Et après, j'ai deux petits fards à l'unité. Un Adopt, un Inglot, qui sont sensiblement les mêmes. C'est des champagnes lumineux comme ça. Donc ça, je garde. Donc ça, c'est toutes les palettes que je donne. Je les mets dans la petite pochette. Ensuite, je vais prendre mes boîtes. Ça, c'est la boîte Estée Lauder. Je vais la garder parce qu'elle est trop trop belle. Elle est rigide, elle est hyper pratique. Bon, à l'intérieur, il y a un lait pour le corps. Je vais le mettre dans ma salle de bain. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a dans cette boîte Chanel? Ah oui, il y a mes eaux de teint. Les eaux de teint que je me suis commandées en réserve. Vous savez, celle-ci en teinte médium plus. Sauf que avec chaque eau de teint, on a un pinceau Chanel. Et moi, j'en ai déjà, donc je vais vous les donner. Regardez, il est comme ça, le petit pinceau Chanel. Bon, j'enlève de son plastique. Il est trop beau. On a la petite inscription Chanel derrière. Moi, personnellement, je m'en sers comme anti-cerne parce que je trouve qu'il est... Il est trop petit, en fait, pour tout le visage. Mais pour l'anti-cerne, c'est parfait. Et bien, comme il y en a deux, je vais les mettre dans le panier à donner. Voilà, du coup, je les laisse dans leurs petits emballages, les petits pinceaux Chanel. Et je les mets dans le bac. Ouh, j'ai chaud. Franchement, c'est déjà... pas mal du tout, il reste la petite table à trier. Je vais prendre toutes les poudres. Alors, qu'est-ce qu'on a? La MAC poudre compacte, ça je vais garder. Ça, c'est une poudre Wet n Wild. C'est la Mega Glow. Celle-là, je vais la donner parce que j'en ai suffisamment des poudres libres. Hop, ça c'est le Master Chrome de Je mets Maybelline, mais j'en ai déjà un en réserve sur ma coiffeuse. Donc celui-là, je vais le donner. La Glam Bronze de L'Oréal, nouvelle version, je vais la garder à tester. Air Mat de Bourjois, je vais garder. Le Mega Glow, mais en highlighter, je vais garder aussi. Ça, c'est la poudre Wet n Wild compact, je vais la garder, je l'aime bien. Ça, c'est ma terracotta emblématique. Ça, c'est le blush orgasme de chez Nars, on garde. La poudre MAC Bloom Bloom Bloom, je garde. Ma poudre Avène, je garde. Highlighter Fenty Beauty, ça, c'est Lorelei qui me l'a donné, je garde. Et le blush Wet n Wild, je vais le garder aussi. Alors, je suis allée chercher ce qu'il y avait là-bas au fond. Palette Zoeva, ça, je vais garder. Spice of Life. Ah, j'ai deux palettes Wet n Wild, là encore. Celle-là, je l'avais utilisée là, dans les tons kaki. Je vous avais fait un tuto avec. Et par contre, celle-ci, elle est toute neuve. Donc, je vais vous la donner aussi. Ça, c'est une palette nude de chez MAC. Je garde. Et ça, par contre... Ouais, je vais garder cette palette et je vous mets celle-là. Bon, et puis là-bas, ce ne sont que des pinceaux, peau à pinceau. Ça, c'est mes ombres à paupières liquides de chez MAC. Je vais les garder également. Donc, il ne nous reste plus que ce bac-là à trier, normalement. Oupette Makeup Forever, je vais garder. Ça, c'est des éponges. Celle-là, elle est neuve. Je vais la donner. Celles-ci, elles sont utilisées, Ça, c'est une Oupette, mais elle est utilisée. Ça, c'est un kit Beauty Blender. Je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est à tester. Ça, c'est le Derma Roller dont je vous parlais tout à l'heure. Poudre bourgeois, je garde. Palette Sephora, elle est entamée, donc je ne peux pas vous la donner. Ah, la Master Bronze, celle-ci, elle n'est pas entamée, je crois, elle est neuve. Ouais, moi, j'en ai déjà une, la Master Bronze, je vais en double, donc je vais vous la donner aussi. Après, on a tout ce que j'avais reçu de certaines marques, voilà, des fossiles magnétiques et tout, tout ça, je ne vais pas vous donner. Je crois qu'on est pas mal, sauf que maintenant, il faut que je range tout ce que j'ai décidé de garder à sa place. Et donc, je vous retrouve une fois que j'ai fait tout ça. J'ai rangé une bonne partie du make-up là, sauf que je me suis emballée un peu trop vite, j'ai pas trié tout l'intérieur du meuble, donc c'est parti. Bon, ça c'est que des choses que j'utilise au quotidien, donc je vais les garder, parfum, lotion, etc. Ça c'est la boule Yves Rocher que j'avais eu en cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, il y avait un vernis, un rouge à lèvres et un lait parfumé pour le corps. Je vais garder le lait parfumé pour le corps. Par contre, je vais vous mettre le petit rouge à lèvres et le vernis parce que j'en ai suffisamment. Ensuite, tout ça,
c'est des choses que j'utilise. J'avais acheté des petites palettes comme ça sur Amazon, mais elles se sont cassées pendant le trajet, donc je peux pas vous les donner. Ça, c'est tout neuf, L'Oréal Hydragenus. C'est un sérum à l'aloe vera. Donc je vais vous le donner parce qu'il n'est pas entamé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est quoi? Le parfum Fantasy Britney Spears. Pff, je ne l'ai jamais utilisé. Et des parfums, franchement, j'en ai suffisamment. Donc, je vais le mettre à donner. Lotion Lirac, je vais la mettre dans les soins du visage. Oh là 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 là. Tous les rouges à lèvres Huda Beauty qui sont là. Enfin, j'en ai gardé quelques-uns. Il y en a d'autres que j'ai donnés. Mais tout cela, je vais tous les donner. C'est que des liquides mats. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. J'en ai suffisamment, comme vous avez vu, des rouges à lèvres. Je pense que c'est bon, là. Ça sert à rien de garder des millions et des millions de trucs. Ah, je vais garder celui-là, qui est dans son petit packaging, là. Trop, trop mignon. Celui-là, je vais le garder. Ça, c'est les paillettes que m'avait envoyé Lorelei dans le swap. Je vais les garder parce que c'est Lorelei, hein, mais je ne les utilise pas trop, les paillettes. Qu'est-ce qu'on a là? Des soins, des soins, des soins. Encore des poudres et des poudres et des poudres. Ça, c'est quoi? La poudre Shiseido, celle-là, je vais la garder poudre libre. Et la banana powder de chez MAC, je vais la garder aussi. Allez, je vais tout remettre à sa place et je vous retrouve. J'ai terminé, je suis en nage. Il fait trop chaud. J'arrête pas de bouger dans tous les sens. J'ai tout rangé, c'est bon. Donc, je me retrouve avec tout ça. Donc, tout ne rentrait pas dans la petite boîte de rangement. Elle est blindée, blindée. Là, on a tous les rouges à lèvres, les parfums, etc. Donc, ce que je vous propose, ben, c'est de vous faire gagner tout ça, franchement. Ce sont des choses que je n'ai jamais utilisées, qui sont neuves. Donc là, j'ai tellement de make-up. Franchement, quand on sort tout, on se rend compte qu'on a tellement de choses. C'est pas la peine de garder des millions et des millions de trucs. Donc, si je peux vous faire plaisir, franchement, ben, moi, j'en serai encore plus heureuse. Donc, je vais vous... Voilà, je pense que je vais faire 2 ou 3 lots en fonction de la quantité. Je vais redéballer. Et par contre, j'ai plein de produits dont je ne me sers plus, mais par contre, dont je me suis servie, qui ont déjà été utilisés. Donc, j'aimerais bien, je ne sais pas, soit faire un swap avec quelqu'un, soit parce que ça, je ne peux pas, voilà, je peux pas vous faire gagner ce qui est déjà utilisé. Mais franchement, j'ai bien avancé, je suis bien contente. Ça y est, j'ai tout trié, donc je vous montre ce que ça donne. Donc, tout ça, là, c'est tout ce qui est neuf et tout ce dont j'ai décidé de me séparer. Parce que c'est too much, si je ne les ai pas utilisés depuis des mois, c'est que je ne les utiliserai pas. Donc on a de tout, hein. on a du Chanel, du Huda Beauty, du NYX, du Je Mets Maybelline, Anastasia Beverly Hills, Wet n Wild, du NARS, du Benefit, je sais même plus quoi, il y a vraiment de tout. Voilà, j'essaie de vous faire une vue d'ensemble, je vais faire 2 ou 3 lots en fonction de la quantité. Je vais essayer de faire des lots équilibrés. Voilà, en tout cas, moi, je suis super contente parce que là, j'ai tout rangé. Et même s'il y a encore pas mal de choses que je n'utilise pas, j'ai quand même fait un bon tri, un bon rangement make-up. Écoutez, c'était mon premier. Franchement, j'ai pas l'habitude. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez un petit peu vu, voilà, le coin où je me maquille, le coin où je range mes affaires, comment je les range, etc. Enfin, j'essayais de faire au mieux. Dites-moi si ça vous a plu, j'en referai d'autres. En tout cas, voilà, on peut dire que c'est un rangement make-up, un tri, un unboxing. Donc, j'ai décidé de vous faire cadeau de tout ça, puisque je ne sais pas à qui les donner. Et je sais que si vous me suivez, c'est que vous êtes passionné de make-up comme moi. Donc, voilà, je vous mettrai les conditions de participation dans la barre d'infos. De toute façon, ce sera les mêmes que d'habitude. Être abonné, partager, commenter, voilà, comme d'hab. Et je reste attentive si quelqu'un veut faire un petit swap avec moi ou un petit troc ou je sais pas comment on pourrait faire. Franchement, je suis là. J'adore faire ce genre de truc. Je l'avais fait avec Lorelei, on s'était éclaté. Donc voilà, je prends toutes les idées. Je vais aller prendre une douche parce que là, je suis complètement en transpiration. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.